Voici la présentation des chenilles hybrides de chez Futurefly, nouvellement arrivées sur le site internet. Voici donc le coloris chartreuse lime. Nous avons à notre disposition un coloris noir et or, un coloris rouge et noir, un coloris golden yellow, un coloris marron cuivré et un coloris midnight star, je crois. Voilà, on est sur une chenille dont les fibres font à peu près 3-4 cm, on va dire. Voilà, ça s'entoure directement sur votre hameçon pour monter vos cordes de streamer, des cordes de crevettes ou de petits poissons pour faire pour les mouches mères. Et voilà, ça permet d'apporter un petit peu de volume, un petit peu de mobilité également au corps du streamer. Et voilà, si vous cherchez par exemple à monter un streamer rapide qui va bien vibrer dans l'eau, voilà, vous prenez votre hameçon, vous entourez tout simplement votre chenille sur l'hameçon. Quelques fibres de Twisted Flash de chez Flysen, la Pike Monkey Cosmos, une paire d'yeux, vous faites une tête en époxy et terminé. Voilà, ça prend 2 minutes et vous avez un streamer qui pêche avec très peu de fibres, facile à lancer, léger et hyper efficace, quoi. Pas besoin de se lancer dans des trucs qui prennent 2 heures à monter, même si ça peut être super sympa, hein. Des fois, il faut aussi aller vite pour être efficace. Voilà. C'est une chenille qui fait à peu près, vous allez le voir, donc 1m50 de longueur, hein. C'est-à-dire qu'il y a largement de quoi faire. Voilà. Les coloris sont hyper intéressants, vraiment des beaux reflets flashy. Notamment là, je vois là le coloris un peu le copper cuivré là, lorsqu'on va arriver sur des eaux cet hiver, des eaux qui seront un petit peu en cru, un peu teintées, ça va vraiment trancher, quoi, parce qu'il est assez sombre, hein, comme le noir et jaune et d'ailleurs le midnight star. Le chartreux lime est juste magnifique et pour des eaux un peu claires ou légèrement piquées là, le doré est top, quoi. Le rouge et noir, ça c'est un classique, hein. On peut aussi mixer les coloris, voilà. Ça c'est la dernière nouveauté, le hybride chenille de chez Futurefly.